غريب زماني وفيه العجب ففيه التراب يساوي الذهب وفيه أناس تحب السبات وتغفو بجهل ودفن الكتب رجال تعالت بزعم الفنون تجاهد تبكي لأجل الطرب شباب يقلد فسق الشعوب وشوم ونفخ مثال الشنف passéiste, mais vous avez peut-être vu qu'on a inauguré une statue de l'Emir Al-Qadr à Amboise, la ville d'Amboise, pas loin de Tours, où il a été enfermé dans le château de cette ville. Et cette statue a été érigée dans le cadre de ce qu'on appelle la réconciliation des mémoires. Lié à la colonisation en Algérie. Bon, cette statue a été vandalisée. Vous avez un courant local qui est contre, qui veut effacer les traces du passage de l'Emir Al-Qadr et de sa suite dans la région, alors que les Amboisiens avaient reçu avec beaucoup d'enthousiasme et d'hospitalité l'émir et son groupe en novembre 1848, comme on l'a. Et vous avez tous les commentaires qui ont accompagné cette célébration, qui définissent l'émir Abdelkader comme le plus grand ennemi de la France, devenu son ami. Or, cette formule est héritée des historiens coloniaux. Parce que si on regarde de près, l'émir Abdelkader n'a jamais été ennemi de la France. Il n'est pas venu occuper l'Auvergne, la Vendée ou les Flandres. Il a combattu les criminels de l'armée d'Afrique qui sont venus brûler les villages chez lui, les moissons. Donc il a combattu la France coloniale. Et la France, quand il l'a découvert à Amboise ou à Pau, il a vu que c'était un peuple attaché aux valeurs chrétiennes, au principe de la Révolution de 1789, il avait beaucoup d'admiration et il a ouvert un dialogue avec le clergé. C'est lui qui a inauguré le dialogue islamo-chrétien. Donc on continue à tenir un discours hérité de la colonisation qui ne veut pas séparer entre la France historique et la France coloniale. Et quand on ne veut pas séparer, c'est qu'on reste opposé à la condamnation du colonialisme par la France historique. Ensuite, on nous dit qu'il est devenu l'ami de la France. Bon, nous savons maintenant, malgré la persistance des discours coloniaux qui sont repris par les journaux jusqu'à 10 jours, que l'émir avait fait l'objet d'une surveillance étroite jusqu'à la fin de ses jours. Quand il était en prison, c'était normal, mais quand il s'est installé à Damas, on a nommé le capitaine Boissonnet qui était chargé de surveiller, on l'a nommé consul de France à Damas. Et l'émir Abdelkader a rédigé des mémoires de 1000 pages qui sont à l'état de manuscrit à Istanbul. Et le consulat de France à Damas les a confisqués pour l'empêcher de raconter sa vie lui-même. Et ce qui fait que les retards des études historiques, cette censure, ce vol de manuscrits, nous privent d'un
récit de ce héros sur lui-même. On se contente de ce qu'ont dit les historiens pour nous. Et donc, quand on est ami, l'amitié entraîne la confiance. Et s'il était sous surveillance, c'est qu'on n'avait pas confiance en lui. Parce que l'émir n'a jamais renoncé à reprendre le combat pour la libération de l'Algérie. Et jusqu'à maintenant, ce manuscrit a été signalé par un historien algérien qui a passé une semaine à Istanbul. Il l'a feuilleté, il l'a trouvé, ça a été confisqué, mais personne ne l'a encore étudié. Donc si on veut parler de la réconciliation des mémoires, qu'est-ce qui empêche la Grande République française de donner une bourse à un franco-algérien ou même à un français qui connaissent l'arabe, d'aller étudier les 1000 pages que le consul de France à Damas ne voulait pas que ce soit publié. Donc vous voyez que l'actualité nous rattrape. On avait l'impression au mois de décembre d'être des passéistes nostalgiques, mais là, l'émir est d'actualité. Bon. Alors, la troisième étape dans la chronologie de l'histoire intellectuelle de l'islam en France, c'est l'étude de deux grands intellectuels de la mouvance comtiste. Comtiste, c'est les disciples d'Auguste Comte, le fondateur de la sociologie. C'était un grand philosophe dont les idées étaient dominantes et fascinaient l'intelligentsia du XIXe siècle. Et le premier d'entre eux, c'était Ahmed Reza, c'est un musulman ottoman qui est devenu comtiste. Ahmed Reza était né en 1858 à Istanbul. Il est venu étudier l'agronomie à Paris, l'institut agronomique qui existe toujours à la rue Claude Bernard, pas loin de la mosquée de Paris. Et c'était quelqu'un de très attaché à la francophone. C'est sans doute le premier musulman à avoir écrit directement en langue française. Il appartient à l'histoire de la francophonie de manière générale, et de la francophonie islamique en particulier. Et son père avait été le conseiller de Sultan Abdelaziz, qui était un des califes des Tanzimats. Les Tanzimats, c'est un mot arabe, Tanzim, turquifié, qui veut dire réforme, réorganisation. Donc, il y avait une politique qui a duré une quarantaine d'années pour la modernisation de l'Empire ottoman. Mais en 1876, Sultan Abdelhamid, le neveu d'Abdelaziz, a mis fin au Tanzimat et a renvoyé les députés qui siégeaient dans le Parlement parce que l'Empire ottoman était une monarchie constitutionnelle. Et Ahmed Reza fait partie des intellectuels qui étaient très mécontent de la fin des Tanzimats. Et le dernier grand vizir des Tanzimats, qui s'appelait Midhat Pasha, quand il a été limogé, il est venu à Paris en 1877. Et les positivistes lui ont réservé l'accueil des plus chaleureux, parce que les positivistes soutenaient la politique des Tanzimats. Ils considéraient que l'Empire ottoman n'était pas une théocratie, contrairement à la Russie tsariste, qui faisait alliance avec l'Église orthodoxe, et que l'Empire ottoman pouvait être réformé de l'intérieur, parce que l'islam peut s'adapter à la modernité. C'était de grands théoriciens qui s'engageaient dans les organisations hostiles au démembrement de l'Empire ottoman. Parce que toutes les puissances, la Russie et l'Angleterre, sauf peut-être l'Allemagne, mais la France, voulaient le démantèlement de l'Empire ottoman. D'ailleurs, ils vont réussir à la fin de la Première Guerre mondiale. Les accords Sykes-Picot ont réparti les anciennes wilayats de l'Empire ottoman à l'Angleterre, l'Irak, la Syrie à la France, le Liban, etc. Et on n'est pas sorti de crise provoquée par son père. Les comtistes étaient contre. Et donc, quand Ahmed Reza revient à Paris, en 1889, il profite de la grande bienveillance des positivistes, la théorie des
Kantiste, on l'appelle le positivisme. Et les Kantistes, c'est les disciples de Kant. Donc, comme ils avaient accueilli chaleureusement Mithat Pacha, ils ont accueilli un grand intellectuel comme Ahmed Reza, qui avait, comme ingénieur agronome, s'est occupé de l'enseignement agricole, du développement des régions reculées, etc. Mais après, il est revenu, il a tout de suite été adopté par les successeurs d'Augustin. Il l'a admis dans ce qu'on appelait le comité positif international, qui préparait ce qu'on appelait la République européenne, c'est-à-dire l'ancêtre de l'Union européenne d'aujourd'hui. Bon, ils ont admis le Turc. Ça veut dire que pour les positivistes, la Turquie fait partie de l'Europe. Donc ça nous renvoie au débat sur la Turquie fait-elle partie de l'Union européenne ou pas. Les positivistes l'ont tranché à l'époque, comme le général de Gaulle, ils disent la Turquie est européenne. Elle fait partie du Conseil de l'Europe, mais elle n'est pas admise, on lui a fermé la porte de l'Union européenne. Quand Erdogan, il y a 18 ou 20 ans, a posé sa candidature, Sarkozy a dit non, c'est un peuple musulman, on ne peut pas les admettre comme membres de l'Union européenne. Alors que la Turquie a l'économie la plus dynamique de la région, beaucoup plus que la Bulgarie, ou la Roumanie ou les États de l'ancien Empire soviétique. Et une économie beaucoup plus dynamique que celle du Portugal, par exemple, l'Espagne. Mais on leur a fermé la porte parce que le peuple musulman. Alors que les Kantistes avaient une ouverture, ils considéraient que la Turquie, peuple musulman, peut faire partie de l'Union européenne pour prévenir le choc des civilisations. Et ce qui, Chirac s'est distingué de Sarkozy à l'époque, il a dit, on examine la candidature de la Turquie à l'Union européenne. On ne la rejette pas d'emblée. Parce que Chirac était contre le choc des civilisations, il l'a montré quand il s'est opposé à la guerre de 2003 américaine contre l'Irak. Or Sarkozy a été à Jérusalem pour dire non, la Turquie n'est pas européenne. Il a dit ça brutalement, alors qu'il tutoyait les responsables de grandes mosquées qu'il a réunis dans le CFCM pour les besoins de la pêche au roi. Vous savez qu'il y a des imams qui ont appelé à voter Sarkozy dans les retraits du vendredi, en 2007. Donc, lui, il est contre la Turquie, et il a fait la poche au voir dans les mosquées en faisant semblant d'être l'ami des musulmans. Donc, je ferme cette partie. C'est pour ça que les Kantistes nous intéressent. Ce sont des très grands. Ils sont personne parmi les philosophes que vous voyez à la télévision, Finkielkraut, Michel Onfray, personne ne peut arriver à la cheville des philosophes kantistes. Or, ils étaient islamophiles, ou islamo, au moins islamo-justes. Ils s'appuyaient sur la formule de Kant qui disait l'islam, c'est la religion qui exige de ses fidèles le maximum d'altruisme avec le minimum de métaphysique. L'altruisme, c'est être au service d'autrui. Il va dans le camp. Yuzirun ala anfusim. Or, les Kantistes ont mis l'altruisme au centre de leur morale. Et ils disent que l'islam est une religion très intéressante parce qu'elle réclame de l'altruisme sans demander aux fidèles de grands d'être des théologiens ou des métaphysiciens. L'essentiel, c'est leur comportement, c'est ce qu'ils font dans la société pour plus d'harmonie, plus de fraternité, etc. Et Kant disait, recommandait à ses disciples le maximum de bienveillance, respect et notre mot, respect et estime pour l'islam. Et Kant, qui a vécu au début de la conquête de l'Algérie, a dit il faut que la France évacue noblement, évacue l'Algérie, pour confier noblement son gouvernement aux Arabes. Et tous les grands kantistes étaient restés fidèles à l'anticolonialisme d'Augustin. Donc c'était un courant qui s'intéressait à l'islam, parce que c'est une religion sans clergé, et eux étaient des anticléricaux, ils étaient contre
la mainmise de l'Église sur les esprits, les écoles, les hôpitaux, etc. Et comme il y a beaucoup de mathématiciens et de Comte était prof de mathématiques à l'école polytechnique, ils étaient fascinés par l'apport de la civilisation musulmane en matière de sciences exactes, la trigonométrie, l'optique, l'astronomie. Ça a été enseigné au Collège de France, dans une chaire d'histoire des sciences, par le successeur de Pierre Lafitte, qui est devenu l'ami de la Carmétrice. Donc il y avait cette ambiance favorable qui a permis à un intellectuel musulman, qui avait une très solide culture musulmane, et qui a adhéré au kantisme. Le kantisme, c'est une philosophie pour s'adapter au monde moderne industriel qui refusait la mainmise de l'Église. Et il considérait que l'islam était la religion la plus proche du positivisme. Comte disait, c'est la religion la plus proche de l'état positif. Dans la théorie des trois âges de Comte, il dit, il y a l'âge théologique, puis l'âge métaphysique, puis l'âge positif. C'est celui où il faut partir de la réalité pour légiférer, pour faire de la sociologie, non pas à partir des dogmes. C'était anti-dogme. Or, les Comtistes disaient, l'islam, c'est la religion la plus proche de l'état positif. Il considérait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un grand sociologue. Et donc, Ahmed Reza a trouvé sa place dans cette ambiance et il s'est installé en adresse au 49 rue Monge, pas loin de là où se trouve la mosquée de Paris. Il n'y avait pas de mosquée de Paris. Et c'est quelqu'un qui s'est consacré corps et âme à la lecture, à la vie intellectuelle. Et à partir de 1895, lui est revenu à Paris en 1889, il a fondé une revue qui s'appelait Meshberet. Meshberet, prononciation turque du mot mashwara, c'est-à-dire la consultation, qui appelait au retour à la monarchie constitutionnelle à Istanbul. Et il faisait partie du comité donc, des positivistes et il était sollicité sur, quand il s'agissait de l'islam, les kantistes faisaient appel à un musulman. Ils ne sont pas comme les gens quand ils parlent au nom du musulman en leur faisant dire ce que souhaitent les télévisions. Les comtistes ont créé un établissement privé qui s'appelait le Collège libre des sciences sociales, qui était dans le quartier de l'Odéon, aujourd'hui, vers l'Odéon et Saint-Michel. Et ils ont inscrit l'islam au programme. Et c'est Ahmed Reza qui a été chargé du cours concernant l'islam. Ils disent il n'y a pas mieux qu'un intellectuel musulman pour enseigner l'islam. L'islam en tant que religion, en tant que civilisation, en tant qu'histoire, en tant que culture, etc. Et Ahmed Reza n'était pas seul, il y avait avec lui un Algérien qui s'appelait Ismaïl Hamed. C'était un ancien interprète militaire de l'armée française qui a écrit, qui est devenu un bon sociologue. Il a écrit un livre très intéressant qui reste actuel, qui s'appelait Les musulmans du nord de l'Afrique. Et lui, on le retrouve avec Ahmed Reza, parmi le corps enseignant du Collège libre des sciences sociales. Il y avait un troisième, c'est Ali Moumtaz, c'était un musulman de l'Inde, recommandé par les kantistes britanniques qui étaient très actifs, anticolonialistes. Les Britanniques ont soutenu la révolte de Rorabi Pacha en Égypte, le général qui s'est révolté contre les Britanniques. Ils l'ont défendu, ils ont dit... il a raison de se révolter, on a été occupé sans lui. Et Ali Moumtaz était un disciple de Ahmed Khan, le grand réformateur de l'Inde, celui qui a créé une école primaire anglo-musulmane, puis un collège anglo-musulman, puis une université anglo-musulmane
qui se trouve aujourd'hui à Aniga, ceux qui connaissent là. Ils avaient des frères du Tablir, à l'époque, qui faisaient des sorties de Khorouj, mais ils allaient en Inde, ils connaissent Aniga. Donc Ahmed Khan était partisan de la réforme en partant de l'éducation, prenant les enfants en bas âge, leur apprendre l'islam, le Coran, l'arabe, les langues locales, mais les ouvrir aux cultures modernes. Donc, c'est des courants très forts qui étaient pour la modernisation de l'islam. Ils étaient conscients des dangers du retard technologique et scientifique des musulmans. Et Ahmed Reza était en contact avec tous. Il était en contact avec Isabelle Eberhard, si vous avez entendu parler. Isabelle Eberhard a grandi dans une famille de réfugiés russes à Genève, mais elle décide de partir en Algérie, où elle s'est convertie à l'islam. Et au moment où elle voulait s'instruire sur l'islam et apprendre l'arabe à Genève, elle avait des correspondances régulières avec Ahmed Reza, qui lui expliquait ce qu'était l'islam. Et ce cas montre qu'il y avait une internationale musulmane en Europe. Des intellectuels qui n'avaient pas de pétrodollars, qui profitaient des bibliothèques européennes, de la liberté de penser, et qui ont fait un disparate sur l'islam. Et ce courant était très fort. Par exemple, vous aviez un romancier libanais qui s'appelait Fares Chidiak, mais maronite, très connu. Il arrive à Paris en 1878. Pour protester contre la fin des Tanzimates, parce que le Liban dépendait de l'Empire. Et bien à Paris, il se convertit à l'islam. Ça veut dire qu'il y avait une ambiance pour un grand intellectuel qui choisit de devenir musulman. Considérer que être maronite dans la ville des Lumières, ce n'était pas tout à fait conciliable. Et vous aviez un autre, un juif du sud de l'Égypte, qu'on appelait Abu Natara, parce qu'il portait des lunettes. Et il avait lancé un journal satirique, un peu comme le Canard enchaîné à Paris, mais en arabe, qu'il appelait Abu Natara. Eh bien, il s'est converti à l'islam à Paris. Donc, Ahmed Reza a grandi dans cette ambiance où on se souvenait du passage de Cheikh Jamaluddin Afrani, de Cheikh Abdou, qui sont restés à Paris près de 3 ans à partir de 1882. Afrani est arrivé, il connaissait 8 langues, il était consulté par tous les directeurs de journaux quand il y avait une crise au Soudan, il leur expliquait ça. Et Afrani, si vous allez à Paris un jour, vous allez vous recueillir et réciter la Fatiha, au 6 rue Martel, dans le 10e arrondissement, pas loin de la gare de l'Est. C'est là qu'était le siège de la Urwa al-Wuthqa, le journal publié à Paris par Abdou et Jamaluddin Afrani. Et en très peu de temps, ils ont publié 18 numéros qui étaient envoyés par les matelots, les voyageurs dans tous les pays, y compris en Algérie, qui était surveillée par la colonisation. Et dans ces 18 numéros, vous avez toutes les thèses du mouvement réformateur qui veut adapter l'islam au monde moderne. Tous les courants qui sont venus après se réclamaient d'Afrani. Et l'émir Abdelkader a adhéré à l'association de la rue Martel pendant les 6 mois avant son mort. L'émir Abdelkader, on veut l'enfermer dans le soufisme. Vous avez les Guénoniens, les disciples de René Guénon, c'est un grand philosophe français converti à l'islam et qui prêchait le retrait du monde, de ne pas aller faire de politique. Et vous avez les canoniens qui sont fascinés par les écrits de l'émir Abdelkader, inspirés de Mahedin ibn Arabi. Donc ils ne prennent que le côté soufisme. Or, ils sont contrariés d'apprendre que l'émir Abdelkader a adhéré à l'association qui s'appelait Salafia, c'est pas le mot qu'on donne aujourd'hui, qui était contre le maraboutisme utilisé par la colonisation pour endormir les musulmans. Vous voyez que l'émir Abdelkader, on ne peut pas charcuter sa personnalité et prendre ce qui arrange la maçonnerie, les guénoniens. Non, il a vu des intellectuels
courageux, l'ancien journal à Paris lui a envoyé un exemplaire et il a dit « moi j'adhère ». Et quand il est mort, le cher Abdou a envoyé un message de condoléances à ses enfants. Il leur a dit, le maire de Kader a laissé 16 enfants, tous des militaires dans l'armée ottomane. Donc le soufisme ne les intéressait pas. Il voulait reprendre les armes pour libérer l'Algérie. Et le cher Abdou l'a appelé, il a appelé imam ou le Salaf al-Jadid. Mais Abdelkader, c'est l'imam du néo-salafisme. Les salafis, c'est les sahaba, les compagnons du prophète. Salaf Saleh, il a dit, l'imam Abdelkader, c'est le maître du néo-salafisme, c'est-à-dire qu'il est une référence pour les musulmans de l'époque, au même titre que les compagnons du prophète. Donc vous voyez, à l'époque, les moyens de transport, de communication étaient... C'est pas comme aujourd'hui, mais il y avait une internationale de l'islam. Vous savez, l'émir Abdelkader, qui était en train de méditer à Damas, il apprend qu'Afrani était à Paris, il envoie son adhésion. Ahmed Riza qui répond à Isabelle Eberhardt quand elle lui demande de lui expliquer l'islam. Les deux, le romancier libanais qui se convertit à l'islam à Paris, et on a beaucoup de cas comme ça, il y avait une ferveur, un grand intérêt pour l'islam, et on en arrive à se demander si la mosquée de Paris, dont le projet était daté de 1895, il n'a été accepté qu'en 1920, on se demande si la mosquée de Paris n'a pas été en fait acceptée pour mettre en place un islam officiel de manière à faire taire ces courants de penseurs autonomes qui faisaient... qui assurait à l'islam un rayonnement dans l'environnement non musulman. Or, quand on désigne un capitaine des affaires musulmanes militaires comme adjoint du directeur de la mosquée de Paris, la mosquée de Paris était condamnée à ne jamais être un foyer de rayonnement de l'islam. Et ça a fait taire tout ce mouvement. Tout est très actif au moment de l'arrivée d'Ahmed Reza. Et il a lancé son journal en 1895, l'année où on a créé un comité pour une mosquée à Paris. Et les comtistes ont soutenu avec beaucoup de ferveur le projet de mosquée à Paris. Ils ont commencé par faire une souscription pour le financement. Et Ahmed Reza, comme il lisait les journaux, il a dit, j'ai lu tous les livres de la Bibliothèque nationale, donc de la rue Richelieu, sur la Turquie et sur l'islam. Donc ça vous donne une idée de sa curiosité. Mais il s'est aperçu qu'il y avait une image très déformée de l'islam. Il a publié tout un livre, qu'il a appelé « La crise de l'Orient », où il a démantelé toutes les visions de l'islam, développé par des essayistes, des journalistes, des écrivains. Et il dit au début, c'est un livre extraordinaire qui a été réédité il y a quelques mois. Et il l'a écrit en 1906, deux ans avant de quitter Paris, quand le journal Meshmeret était l'organe d'une organisation qui s'appelait Union et Progrès. Wahda et Tarakki. Tarakki en turc, ça veut dire le progrès. Or, ce courant a pris le pouvoir en Turquie. Donc, lui, il rentre et il est élu président du Parlement, de la Chambre des députés, puis président du Sénat. Mais il s'est aperçu que c'était un intellectuel égaré en politique. Le pouvoir était monopolisé par des organisations secrètes qui étaient à Salonique, des militaires avec lesquels il était en désaccord. Et c'est pour ça qu'il maintenait ses contacts épistolaires, il revenait de temps en temps à Paris pour garder le contact avec ses amis comtistes qui ont applaudi son arrivée au pouvoir. Mais il dit une poignée de vagues écrivains ou qui se présentent comme tels ont induit en erreur toute l'Europe tout entière concernant l'islam. Et il a écrit ce livre pour rectifier les erreurs de très grands penseurs. Donc,
qui prend point par point toute leur chicana. Fatalisme, fanatisme, le califat, polygamie, l'usure, le statut des ennemis, tout, tout, tout. Il répond point par point en se référant à l'histoire de l'Église, l'histoire du Moyen-Âge, est-il. Il cite la parabole de l'Évangile, de celui qui voit la poutre à l'œil de son voisin, mais qui voit la paille, mais ne voit pas la poutre devant ses yeux. Et avant de publier ce livre, il avait publié, ça c'est l'original, Tolérance musulmane, vous avez la date ici en chiffre romain, 1897. Il a publié ce livre parce qu'il y avait un dignitaire ottoman opposé au sultan Abdelhamid qui est mort à Paris. C'est quelqu'un d'aussi important que lui. Et on découvre qu'il était impossible d'enterrer un musulman à Paris. La loi ne le permettait pas. Le rapatrié en Turquie, il était un opposant. Et grâce au comtiste qui siégeait au Conseil de Paris, le groupe de Ahmed Reza a obtenu une dérogation qui a permis l'ouverture du premier carré musulman en France, c'est celui du Père Lachaise, qui existe toujours. Et c'est là où. Mais c'était au bout du parcours du combattant, il faut ramener les papiers, revenir à la mairie et tout. Il s'est mis à comparer avec le statut des chrétiens dans l'Empire ottoman. Et il a écrit ce livre pour montrer, il a dit, l'islam est au bas de l'échelle des États musulmans qui ont été détruits par les forces coloniales, mais les sociétés musulmanes aujourd'hui sous-développées, en difficulté, sont parfois plus tolérantes sur le plan religieux que la bourgeoisie européenne. Et il cite toutes sortes d'exemples. Et il ne se contente pas du Coran, d'Al Karafidine ou du Hadith, ici. Des voyageurs européens qui reconnaissent ça. Il était dans ce qu'on appelle l'historicité. Ce n'est pas seulement les textes normatifs, prescriptifs. Il n'y a rien de plus facile que de réciter le Coran. Il a dit non. Aujourd'hui même, en Anatolie, en Orient, vous avez des signes qui montre que ces pays sont plus tolérants que l'Europe toute puissante. Et donc il a écrit ce livre-là sous l'effet de la colère. Et si vous vous souvenez, on a parlé de tolérance de l'islamisme, Ismaël Urbain, la deuxième séance, c'est inspiré de l'argumentation d'Ismaël Urbain, qui était un très grand islamologue converti à l'islam. Et donc dans ce livre, qui est vraiment le fruit d'une grande érudition et d'une réflexion vraiment très approfondie. Il réplique avec parfois beaucoup de vigueur et parfois beaucoup de polémique, par exemple au chapitre fanatisme. Il dit, tous les jours, on accuse les musulmans d'être des fanatiques. Et là, pour leur répondre, il cite un intellectuel algérien qui s'appelait Si Mohamed Barhal. Si Mohamed Barhal était un des brillants sujets de ce qu'on appelait le lycée impérial, ouvert par Napoléon III en Algérie. Et puis, il avait de bons résultats, on l'a envoyé faire une licence en droit à Paris. Donc, il était reçu dans les salons, vous parlez très bien votre langue et tout. Il était habillé, lui, en smoking. Puis on découvre qu'il avait une affiliation à la confrérie de Darqawa, dans l'Ouest algérien. Il était de notre langue. À ce moment-là, on s'est mis à se méfier de lui. Comment, lui, qui connaît notre langue, la ville des Lumières, il n'a pas rompu avec ses archaïques, séances, digues, etc. Mais, comme il était très, très instruit, on l'a invité au colloque des orientalistes en 1899. Et il a écrit un article, L'avenir de l'islam, où il répond, lui, à l'accusation de fanatisme. Alors, il dit ceci, chaque fois que dans le monde musulman, l'action d'une puissance heurte un obstacle,
L'opinion publique découvre aussitôt la cause du mal, c'est le fanatisme. Le musulman défend-il son foyer, sa religion, sa patrie? Ce n'est pas le patriotisme qui le guide, c'est la sauvagerie. Se montre-t-il courageux et héroïque? C'est un fanatique. Se résigne-t-il une fois vaincu? C'est un fataliste. Donc on referme dans le binôme. S'il n'est pas fanatique, il ne peut être que fataliste. S'il ne fait rien, il est accusé d'être fataliste. Si le musulman défend son pays, son foyer, son indépendance, ses libertés, ce ne sera ni un patriote, ni un homme qui se sacrifie à un sentiment généreux et élevé, ce sera un fanatique. En un mot, or là, il cite un autre auteur, c'est le capitaine Benger, c'est parce qu'il était en Afrique noire, il a écrit « Le péril de l'islam, le péril », c'est-à-dire pourquoi on considère l'islam comme un péril. Et il a dit « L'islam n'est pas un péril plus que les autres religions ». Et il a la même argumentation. En un mot, tous les actes musulmans, surtout les actes qui sont contraires à notre politique ou à nos intérêts, peuvent être imputés au fanatisme. Et ce qu'il y a de plus étrange, c'est que la plupart de ces actes hostiles, inspirés par ce soi-disant fanatisme, seraient considérés par nous-mêmes et chez nous comme des qualités très louables, comme des actes de patriotisme élevé, ou encore comme étant d'une haute portée politique. Un vers Sagittorix apparaissant chez les musulmans serait traité de fanatique par nous. Vers Sagittorix, c'est le symbole de la résistance des Gaulois contre les Romains, qui célébrait jusqu'à maintenant. Cœur. Il dit, mais un vers Sagittorix, même si c'est chez les musulmans, ce sera un fanatique. Et donc, il montre toutes ses lectures là, sur le califat, puis beaucoup de citations sur le statut de la femme. Et à l'époque, l'Église n'admettait pas la libération de la femme. Vous savez, partie de la bourgeoisie européenne qui était très misogyne. Il montre que le droit musulman parfois était en avance en matière de droit des femmes. Par exemple, il dit la dot dans le mariage musulman, elle est offerte à l'épouse, et non l'inverse, comme en Europe. Et il dit en cas de divorce, la femme dispose, elle a une autonomie financière qui n'était pas reconnue. En Europe, il a fallu des décennies pour que la femme ait droit à un compte en banque personnel. C'était dépendait de son mari. Donc, du point de vue du comparatisme, c'est vraiment un modèle du genre où il s'appuie sur l'histoire européenne, sur sa solide culture musulmane pour répliquer cette vision caricaturale, polémique de l'islam. Et c'est pour ça qu'il devrait servir d'exemple pour les intellectuels musulmans. Aujourd'hui, qui veulent avancer, les jeunes musulmans devraient s'appuyer sur Ahmed Reza pour dire aux recteurs de grandes mosquées, ou ceux qui enseignent l'islam, pourquoi on n'a pas l'équivalent d'Ahmed Reza, matériellement, on a beaucoup plus de moyens. Donc, ce n'est pas par nostalgie ni passéisme, mais c'est très lié à nos problèmes d'aujourd'hui, où on a un déficit éducatif de l'islam en France. Vous avez vu la mort du CFCM prononcée par le ministre le 5 février. Donc, cette mort symbolique ou clinique devrait être accompagnée d'un bilan. Et le bilan sur le plan éducatif est désastreux. Le recteur de Grand Mosquée ne s'intéresse pas à l'enseignement d'islam. Il devrait au moins faire connaître aux jeunes musulmans l'existence d'un intellectuel très haut niveau pour leur donner la fierté, pour quelqu'un qui ferait comme Ahmed Reza, qui allait tous les jours à la Bibliothèque nationale, n'aurait jamais été au Yémen ou à Peshawar pour faire les études sur l'islam, qu'on lui propose toujours pas en France, mais on sait qu'il revient tenté par des aventures dangereuses, comme les jeunes qui ont été au Yémen et puis qui sont revenus ici. Si on les avait fixés ici, si on leur avait enseigné l'histoire intellectuelle des musulmans en France, peut-être qu'ils n'auraient jamais été au Yémen, peut-être qu'ils n'auraient pas été terroristes.
Alors, le meilleur moyen de fixer nos jeunes ici, c'est de leur montrer l'existence d'une cinquantaine d'intellectuels comme ça, qui méritent d'être vus, connus, et dont les idées doivent être diffusées, parce que ce sont des. Il n'y a pas de plus moderniste que le Comtisme. Or, il a adhéré au Comtisme positiviste, tout en restant très attaché à l'islam. C'est ça la moralité de l'intérêt de. Pour cette catégorie d'être intellectuel. Donc, très brièvement, Ahmed Reza, c'est un musulman comtiste. Mais il avait comme vis-à-vis un comtiste islamisé qui s'appelait Christian Cherfis. Or, Ahmed Reza est mort en 1930, né en 1858. Christian Cherfis était né en 1859 et il était un philosophe comtiste. Spécialiste de l'esthétique kantiste, positiviste. On connaît très peu sur sa vie, contrairement à Ahmed Reza, il a beaucoup écrit, on peut faire des déductions sur son parcours, ses lettres. Christian Cherfis, on ne connaît que ses conférences et ses articles. Et il était conférencier comme. Ahmed Reza était au Collège libre des sciences sociales, Christian Cherfis était conférencier à l'Institut des hautes études sociales, créé dans le même quartier par la mouvance comtiste, parce que ce sont les comtistes qui ont créé les universités populaires pour les cours du soir, pour permettre aux ouvriers de s'instruire, parce que les ouvriers quittaient l'école avant la fin du primaire, ils étaient apprentis. Ils disent non, on ne peut pas avoir une civilisation avec une partie des gens illettrés. Et ils voulaient aussi diffuser les idées philosophiques et créer, ils ont créé un deuxième établissement libre, après le Collège libre des sciences sociales, l'Institut des hautes études sociales. Or, Cherfis était conférencier régulier. Il a commencé par. Faire un recueil des passages de l'œuvre philosophique de Comte concernant l'islam. Il a publié en 1911 un livre intitulé L'islamisme du point de vue social. L'islamisme, ça désignait tout l'islam. Il n'y a pas des gens qui favorisent les confusions, comme Gilles Kepel, qui a imposé le mot islamisme. Aux journalistes, pour les militants radicaux à qui on peut coller une fiche S parce qu'on considère comme dangereux. Mais de fait, contre l'islamisme, c'est tout l'islam, c'est pas un courant radical. Or, du point de vue social, il considérait que c'était la religion la plus sociologique. Et dans ce texte, il y a, dans ce recueil que j'ai réédité il y a 6-7 ans, il y a un article qui s'appelle « Amende honorable à l'islam ». Présente ses excuses. Il dit « J'étais dans l'erreur, j'étais injuste vis-à-vis de l'islam ». Et il y a une autre lettre, un autre chapitre, une lettre à Mustapha Rachid Pacha. Mustapha Rachid Pacha était le grand vizir, en 1855, le grand vizir des Tanzimat. Sous le sultan Abdelaziz dont on a parlé, et les comtistes approuvaient avec enthousiasme la politique de Tanzimat, et Comte lui a écrit une lettre parce qu'il l'a connu en 1834 à Paris, quand le sultan Mahmoud a désigné Rachid Pacha comme ambassadeur à Paris, chargé de demander l'évacuation de l'Algérie par les troupes françaises. La formule de Comte. Pour évacuer l'Algérie et confier noblement son gouvernement aux Arabes, date de cette période. Parce que Mustapha Rachid lui a dit « Je suis chargé de ça », il lui dit « Votre demande est tout à fait légitime ». Et donc il lui a rappelé comment les comtistes misaient sur la modernisation de l'Empire ottoman et militaient contre le démantèlement. Et on trouve beaucoup d'autres textes qui démontrent que la pensée de Comte était évolutive et pro-
progressive concernant l'islam. C'est pour ça que j'avais une vision sommaire de l'islam, amende honorable à l'islam. Or, dans mon compte, dans les universités aujourd'hui, on n'a choisi que la pensée sociologique. Or, il y a une pensée purement religieuse chez Comte qui est censurée. Et Christophe Servis se proposait de lui éviter d'être occulté. Et il voit que c'est une courbe chez Comte qui le rapproche de plus en plus de l'islam. Or, Comte était un esprit universaliste, très ouvert, et qui, les positivistes, s'ils réussissent, devront faire appel aux autres religions. Parce qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous sommes contre la mainmise de l'Église sur les esprits, mais on ne combat pas la foi. On ne rejette pas la religion en tant que telle. Et donc il voulait ouvrir un dialogue, mais au vu des refus de l'Église, il dit l'islam. Il sera le premier interlocuteur des positivistes pour cette espèce d'œcuménisme, pour éviter l'exclusion. La pensée laïque exclut la pensée religieuse et vice-versa. Or, Comte est mort prématurément, et il prévoyait de faire des cours de prêcher à Notre-Dame. En 1862, il était programmé pour ça, mais il est mort prématurément, 3 ou 4 ans avant. Mais Servis a constaté, il a dit, vu cette courbe évolutive, qu'aurait dit Comte s'il avait vécu jusqu'en 1860. Et Servis se propose de continuer l'évolution de Comte. Et il se déclare musulman, il se prénomme Abdelhak. Avec l'air de dire implicitement, Comte en 1862 se serait fait musulman. Vu ces approximations successives vers l'islam. Et tous ces articles étaient fondés sur une grande érudition, une pensée très claire. Là, moi, j'ai réédité il y a quelques années deux de ces conférences, une qui s'appelait le monothéisme islamique, et l'autre au titre évocateur de l'esprit de modernité dans l'islam. Lui, il a résumé, il a été jusqu'au bout de la réflexion des autres antistes pour dire que l'islam peut s'adapter à la modernité sans perdre son âme. Or, sa conférence sur le prophète, elle date de 1913, il en profite pour dire que les positivistes ne se sont point lassés de réclamer la construction d'une mosquée à Paris. Et le scandale doit cesser de savoir qu'il en existe une à Londres et que chez nous, tout projet de ce genre est méthodiquement écarté. Qu'attendons-nous d'être devancés après-demain par l'Italie ou demain par l'Espagne? Parce que pour lui, c'était des pays retardataires. La France aurait dû être à l'avant-garde. Or, la France était dépassée par l'Allemagne, qui avait ouvert une mosquée à côté de Berlin, du Pont de Gueule. Et les Britanniques avaient ouvert une mosquée à Woking, pas loin de Londres, en 1895. Alors, le projet de construction de mosquée à Paris en 1895 provoquait un tollé et le refus généralisé. Alors, malgré ce refus, les comtistes avaient ouvert une souscription pour participer au financement de la mosquée et continuer de relancer le projet. Malgré la position unanime, ils disent non. Il y avait deux tendances à l'époque. Ils disent les musulmans qui viennent chez nous, il faut les convertir au christianisme. C'est l'occasion de les convertir. Adieu l'islam. D'autres disent non, on va les laïciser, ils vont se mettre à se saouler la gueule de chez nous, à faire la fête. Pourquoi leur ouvrir les mosquées? Même des gens très, très haut niveau, ils raisonnaient comme ça. C'est ce que Louis Massignon a appelé la colonisation était pour la politique du bistrot. Parce qu'il y a un fonctionnaire colonel qui lui a dit « Monsieur le professeur, il faut encourager les musulmans à aller au bistrot pour leur faire oublier, après boire,
le passé, le présent et l'avenir, pour qu'il ne revendique pas. Il y avait vraiment toutes ces tendances, et si vous voulez revisiter donc, cette histoire, ça permet de... puisque la colonisation est à l'ordre du jour, la repentance, la France coloniale, la France historique, avant de tourner la page, il faut rappeler ce qu'a été le cynisme des politiques coloniales, par exemple la politique du bistrot. Vous avez les musulmans, les copaniques qui sont l'odeur de l'alcool à 50 mètres, on veut le pousser à aller se soulever. Et on appelle ça civilisation. Donc Ahmed Reza, cher fils, était contre ça. Et il termine alors en disant, au regard du positivisme, l'appel au conservateur et la synthèse subjective, ce sont deux titres d'ouvrage écrit à la fin de sa vie, par contre, nous ont déjà rassurés. Mais laissons Goethe nous rassurer tout à fait au regard de la simple sagesse et indirectement quant aux virtualités dynamiques que représente une génération, une régénération possible, probable et prochaine de l'islam. La doctrine musulmane considérée en ses principes essentiels ne saurait, estime Kant, être jamais dépassée. Et Pierre Lafitte, qui était l'ami de Ahmed Reza, disait « Les valeurs de l'islamisme sont supérieures à toutes les valeurs de l'Europe du XIXe siècle. » Alors qu'il n'était pas musulman. Et Goethe a la phrase célèbre « Si tel est l'islam, ne sommes-nous pas tous musulmans. » Et cher fils, après de nombreuses citations de grands auteurs, il termine en disant « Il ne dépendra point de nous, de notre bonne volonté du moins, que pleine et entière justice ne soit rendue aux représentants d'une telle doctrine, trois fois sacrée à nos yeux, parce que dans un passé trop oublié, ils ont bien mérité de la civilisation, parce qu'ils sont malheureux, parce que pour une large part, ils sont devenus non plus les sujets, mais déjà les enfants de la France. » Ça, c'est en 1913. En 1914, il a écrit le Bonaparte et l'Islam, qui est un livre remarquable, où il parle du djihad. Il dit le vrai djihad, ça va être l'ijtihad que devront faire les intellectuels musulmans installés définitivement en Europe pour répliquer à leurs détracteurs. Ça serait très intéressant à citer à Zemmour et à débat télévisé, le djihad, le djihadisme, lui il dit qu'il va y avoir une installation en nom des musulmans de plus en plus instruits en Europe, ils vont avoir des détracteurs, et le vrai djihad c'est de préparer l'argumentation pour leur réponse. Il faut reconnaître qu'on est loin du compte. Aujourd'hui on nous injurie tous les soirs, et on se tait et on attend des jours meilleurs. Pourquoi? Parce que le débat est biaisé. En ce moment, on parle des musulmans en leur absence. Et si on veut vraiment un peu de démocratie dans ces débats, il nous faut nous appuyer sur des gens comme ces deux-là, musulmans, une grande culture islamique devenue kantiste, et un grand philosophe kantiste islamisé. Or, Christian Schaffis, on le retrouve après le départ de Ahmed Reza en Turquie, à la tête de la fraternité musulmane créée à Paris en 1907. Il était le président. La fraternité musulmane a assuré, organisé des débats de très haut niveau avec l'élite musulmane de l'époque et avec le soutien de Français, disons, islamo-juste. Qui font preuve d'ouverture, qu'est-ce que c'est que cette religion qui est la religion de nos sujets en Algérie, il faut la connaître, il ne faut pas se contenter des écrits colonialistes. Et donc la fraternité musulmane, à partir de 1907, rassemblait un courant de Français islamophiles ou au moins islamo-justes, qui avaient comme vis-à-vis des musulmans très francophiles et francophones.
notamment le fondateur de la fraternité musulmane, il s'appelait Mahmoud Salem, c'était un grand juriste égyptien, qui est revenu à Paris après avoir été juge des tribunaux mixtes par l'Égypte. Vous savez, les tribunaux mixtes, coptes, musulmans, ou même les autres religions chrétiennes. Et c'est quelqu'un de... Il a poussé la francophilie jusqu'à publier un texte, une sorte de fatwa, disant que le djihad est obligatoire pour défendre les territoires islamisés du temps des quatre premiers califes. Donc c'est une pierre jetée dans le jardin des Britanniques qui ont occupé l'Orient. Or, l'Afrique du Nord n'a été occupée que sous les Omeyyades. Donc c'est une manière de dire que le djihad n'est pas obligatoire contre les Français en Afrique du Nord. Tellement il considérait, on avait la formule à l'époque, Daoula al-Habib, la France était appelée la nation amie par excellence. Parce qu'il y avait effectivement un courant de Français très droit, qui méritait cette appellation de Daoula al-Habib. Or, tout cet idéal est volé en éclats à la fin de la Première Guerre mondiale, où on a découvert les accords secrets Sykes-Picot, où l'Angleterre et la France se sont partagés les dépouilles de l'Empire ottoman, et puis on a renoué avec le cynisme colonial. Et à ce moment-là, Mahmoud Salem, qui était très modéré, qui était pour le dialogue, il est passé du côté de l'Émir Cheikh Massa, qui s'est installé à Genève, à la tête du comité syro-palestinien pour combattre l'application de la déclaration Balfour, considérée comme très dangereuse, qui promettait le foyer national jewish. Il s'est installé à côté de la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, et il était vraiment la référence d'un arabophile qui s'appelait Eugène Jung, qui a écrit « L'islam se défend ». Il mettait toujours un titre en arabe sur la couverture de « L'islam yudafiru an nafsi ». Et à chaque fois qu'il y avait un débat sur l'islam, il dit « Moi, je suis pas musulman. Je sollicite l'avis de l'émir Cheikh Massa ». Et il lui publiait ses articles dans la presse parisienne. Il dit « Arrêtons de parler au nom des musulmans, nous avons des musulmans de haut niveau ». Or, Mahmoud Salem est passé de ce côté-là, à cause de la déception provoquée par le revirement de la politique musulmane de la France après la Première Guerre mondiale. Et Christian Scherfis, dans tout cela, Christian Scherfis ne perd pas le nord. Il a profité en 1916 de la visite à Paris de l'émir Khaled, le petit-fils de l'émir Khaled, qui était capitaine dans les Spahis, qui était à la tête d'une unité de Spahis sur le front, et au moment où il a eu une permission, il est venu à Paris, où il a été accueilli par les islamophiles de l'époque, et Christian Scherfis a fait partie du groupe qui a été accueilli Hajj Khaled, comme on dit, les Algériens l'appelaient Hajj Khaled. Ça suffit qu'on dit, c'est plus élogieux que l'émir. Et Christian Scherfis en a profité pour relancer le projet d'institut d'études supérieures franco-arabes dans lequel on aurait dû ouvrir une mosquée. Le projet était beaucoup plus ambitieux. La mosquée faisait partie d'un tout. Il a dit qu'il faut former des élites pour rompre avec les mœurs algériennes de la France. Les mœurs algériennes, c'est la colonisation, c'est la confiscation des habous, la fermeture des mosquées, le contrôle des imams, le refus d'appliquer la loi de 1905 à l'islam alors qu'elle est applicable en vertu du décret de 1907. Donc c'était un refus signe colonial d'appliquer les lois métropolitaines en France. Or l'anticolonialisme de Scherfis l'a amené à proposer l'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur pour former des élites qui auraient été chargées de rompre avec ces pratiques coloniales, mœurs algériennes de la France. Cette formule est intéressante
la télévision aujourd'hui, compte tenu de des résultats de l'algérianisation de la Grande Mosquée de Paris après le départ de Hamza Boubacar en 82. Parce que les mœurs de l'Algérie contemporaine sont un progrès par rapport aux mœurs coloniales, je me pose la question. Je ne crois pas. Quand le projet a été retenu par Lyoté en 1920, cher fils, on lui a reconnu le mérite donc de la ténacité et de la persévérance. Il défendait le projet depuis 1895. Et il a fallu 31 ans pour que cela aboutisse, puisque la mosquée a été inaugurée en juillet 1926. Donc, vous savez, le temps des religions, hein, n'est pas le temps des échéances électorales. C'est 5 ans, puis on est fatigué. Et les gens qui ont la foi et l'espérance, ils ont l'éternité devant eux. Donc il a patienté, mais malheureusement il est mort quelques mois avant l'inauguration. Après avoir l'amertume de voir le projet d'institut retiré par Lyoté en personne. Lui, ce qui l'intéressait, c'est l'institut pour former des élites, pour continuer le débat de la fraternité musulmane. Or, Lyoté a dit, l'institut est dangereux parce qu'il risque d'ouvrir l'esprit de nos jeunes musulmans. C'est écrit dans les archives. Donc l'ouverture des esprits est un danger pour un islamophile, mais colonial quand même, comme Lyoté. C'est ce que Bob a dit, ça a découvert par la suite. Il a dit, moi j'ai commencé à apprendre l'alphabet aux enfants, et je suis convoqué par le commissaire, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur général. Et j'ai fini par découvrir que le meilleur allié du colonialisme, c'est l'ignorance. Or, Lyoté voulait miser sur l'ignorance. Et il a ajouté, la mosquée, on peut l'ouvrir, parce qu'il est très facile à la police de la surveiller. Donc vous voyez que ce n'est pas du passéisme, ça nous permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, Christian Scherfis est décédé en 1925, après avoir préfacé le livre d'un grand intellectuel d'Alger, qui s'appelait Abdelrahman Belhafef, intitulé L'introduction à l'étude de l'islam, qui est un livre très savant. Et Christian Scherfis l'a préfacé, il a dit, il faut donner la parole aux musulmans, il faut arrêter de parler à leur place. Et Belhafef, quand il a publié son livre, il regrette, il a mis une note, il dit, je regrette que mon ami Scherfis n'ait pas vu sortir de terre la mosquée pour laquelle il a milité pendant 30 ans. Et il est mort sans avoir achevé un travail sur Abdelrahman al-Kawakibi, qui est un grand informateur d'origine syrienne, parce que de Paris, il se faisait traduire. À Paris, il a entendu parler des échos de Afrani Abdou, en 1883, et il suivait les résultats de leur loi Loutra en Orient, et Abdelrahman al-Kawakibi, c'est des résultats de l'action de Afrani. Mais malheureusement, il a annoncé apparaître Kawakibi d'un l'estime d'Adéa, parce qu'il a pris position contre une dictature. Mais il est mort sans l'avoir achevé. Un bon chercheur tenace trouverait peut-être quelque part ce manuscrit qui compléterait ce que nous venons de dire de manière très imparfaite. Voilà, donc on est arrivé là, l'après-première guerre mondiale, donc ça nous rapproche de l'histoire très contemporaine. يكفر في بوقت الغضب نفارق حبا يريد الوفاء ونبحث عنه لنفس السبب غريبون نحن وليس الزمان ف
فكم ذاق منا عيوبا عجاب فكم ذاق منا عيوبا عجاب